Salut! Et me revoilà dans la cuisine de Renaud, cette fois-ci pour fabriquer des petits bols qui servent de pétrin pour fabriquer du pain, parce que c'est un restaurant où il aime bien cuisiner et il fabrique son propre pain. Et on a utilisé la coulisse de la tablette du bio pour mettre deux pétrins de façon à ce qu'il puisse pétrir son pain ici. Allez, on va faire ce projet qui est un petit peu particulier, un peu compliqué, mais bien amusant à faire. Allez, en avant! Alors, ce petit dessin, c'est pour la tranche de mon bol. Enfin, c'est pas un bol, c'est un demi-cylindre. Sur lequel je vais avoir les dimensions de mes éléments, de mes segments. Et je vais pouvoir ensuite, avec la scie, déligner l'intérieur du bol de façon à ce que tout fasse un bel arrondi et à l'intérieur. À l'extérieur, ça va être des tronçons droits, donc ça va être des facettes. Et puis voilà, donc j'ai la dimension maximale de mes éléments. Donc je pense qu'avec des éléments de 94, ça devrait aller. Et ensuite, si j'avais... C'est combien les angles? Oui, c'est ça, c'est 15 degrés entre les différents éléments. J'ai retrouvé mon petit rapporteur d'écolier.
Voilà, fastoche. Il faut noter quand même dans ce projet que la direction du fil du bois entre la partie creuse du bol et les deux bordures n'est pas dans le même sens. Ce qui fait qu'il y a un risque de craquage entre les deux éléments, entre les deux directions de fil opposées. J'en ai parlé à mon client et je le réparerai au besoin. Et donc voilà, c'était une précision importante à faire. Voilà, un deuxième projet avec Renault. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien. On va déjà lui laisser le temps d'utiliser ce pilio. Je vois que tu as fait de la betterave. Ouais, de la betterave, c'est égal. Et tu mets quoi? Tu mets du vinaigre, c'est ça? Un petit coup de vinaigre, ouais. Et puis après, je le racle, je le rabote une fois par semaine. D'accord. Mais c'est super à nettoyer. Voilà. Et puis, il y avait quelques tout petits jours entre certains des plots en
omelette. Et puis voilà, il n'y en a plus. Ça, faut dire qu'il fait assez humide hein, dans cette cuisine. Ouais, il fait assez humide. Ouais. Donc voilà, c'est comblé. J'espère que ça ne va pas aller plus loin et que ça ne va pas tout péter. Enfin bon, il sait où trouver. Voilà, je compte sur toi. J'ai ton numéro de toute façon, si jamais il y a un souci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles fabrications. Allez, ciao! Allez, ben voilà le pain de main.